Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où cette fois on va aller explorer la caverne de Dodongo en passant par le chemin du péril et le mont du péril. Comme dans mon ancien chapitre, quand on a obtenu le champ de Saria, on peut avoir les bracelets grands. Voilà, donc le chemin du péril, il passe forcément par le village Cocorico. Dans mon ancienne vidéo, là, j'ai expliqué comment aller au chemin du péril. Enfin, je crois. Si j'ai pas expliqué, ben, je vais expliquer encore. Et dans la vidéo, on a rencontré la princesse Zelda. Elle va nous donner une lettre qui s'appelle la lettre de Zelda. Et on va s'en servir pour la montrer au garde qui est tout en haut. Voilà, c'est comme ça qu'on accède au chemin du péril. Donc de là, quand on a les bracelets grands, on va aller tout en haut. Mais moi, je crois que je vais déjà d'abord aller voir la grande fée, qui est en haut encore.
Ah bah apparemment on peut pas. Donc vous prenez le Jupiter, faut bien viser. Hein. Non, loupé. Ah non, même pas. Et donc là, on peut accéder à la caverne de Dongo. Et voilà. Est-ce qu'il y a... Ah, voilà, il y a des Jupiter. On en prend un. On le jette là. Ça va exploser. Ça va faire exploser le mur. Attendez, pardon. Juste... Je charge ma DS, là. Un peu. Désolé, hein. Voilà. Donc... Voilà, c'est bon. Désolée pour l'inconvénient. Alors on entre. Et on pénètre dans la caverne de Dongo. Là, on peut sauter. Bien attendre que ça se pousse au max, hein, c'est sinon. Voilà, donc là on a débloqué un coffre. La carte du donjon. Alors, donc... Voilà. Ok, il va falloir
Essaye d'activer l'interrupteur. Enfin, faut essayer de poser un choupetteur dessus, mais ça va être très dur quand même. Ah, il y a une piqûre là aussi. Petite fissure. Voilà, et là on accède. De Dongo Junior. Ok, hop, et on va là. Voilà. On pousse le ramasse là, juste là. Et après, on va le. Ah non, on doit le pousser encore un peu, je crois. Et là, on le pousse sur l'interrupteur. Voilà, comme ça débloque la porte. Alors, on va prendre la porte ici. Hop. C'est un les alphos. Ah, il y en a deux. Voilà, on a déjà tué un. Et voilà, on a tué les deux. Ce qui fait qu'il y a une porte qui se débloque. Voilà, on passe la porte. Voilà. Donc là, on va devoir affronter ceci. Ce sont des véritables Dodongo. Et leur point faible, c'est leur queue. Voilà, là, il va exploser. Ok, il y en a trois dans la salle.
Et là, il va exploser. On va battre le dernier. Voilà, il est mort. Oula, on n'a qu'un bâton au jeu. Ok, donc là, vous savez ce qu'on va faire. On doit allumer toutes les torches. Et voilà. Et ça va ouvrir cette porte. On a qui l'interrupteur. Voilà. Donc désormais, on a activé la porte. Du coup, on pourra passer la porte. Allez, on y va. Hop. Voilà, vous verrez exploser tous les choux Peter en même temps. Ok, on apparaît ici. Ah, c'est bon, en fait, je sais comment faire. Faut en poser un au milieu. Et voilà. Et ça crée un escalier. Voilà. Alors. La lutte. Ah bah lui en fait c'est un fou. Voilà. Et maintenant on peut aller activer l'interrupteur qui est juste en haut.
Alors, il est là. Voilà, et on peut franchir la porte. Là, il y a un pont. Faut surtout pas tomber du pont. Ok. Voilà. Ok. Ok, là il y a encore plus de les alphos. Ça veut dire les battre? Allez, on y va. Voilà, et d'un. Ah, on n'a plus de graines mojo, donc il faut en récolter d'autres.
5 Nomojo, c'est déjà assez. Allez. Ok, déjà faudrait qu'on réussisse. Oh non, moi je vois. 3 graines, moi je vois. Azul, le fait revenir. Yes, 8. Ah, chouette. Elle est bon, c'est super pratique. Bon, vous avez compris comment il faut faire? Pour accéder à la salle du boss, il faut lancer des bombes dans les yeux du crâne géant. C'est pour une petite tête, parce que là, je vais arrêter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à plus tard pour de prochaines aventures de Link.